indignation face à cette loi liberticide du délit d'entrave. Autrement dit, l'interdiction d'informer, l'interdiction de s'exprimer. Peut-être cette marche pour la vie sera-t-elle la dernière? Peut-être que la prochaine tombera sous le coup de la loi. Nous crions que jamais choisir la vie ne pourra être un délit. Et vous allez le crier avec moi. Choisir la vie n'est pas un délit. Choisir la vie n'est pas un délit. A fait l'objet d'une procédure accélérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait tout pour que la loi soit votée le plus discrètement et le plus rapidement possible. Mais c'était sans compter sur vous! Nous voudrions d'abord remercier tous les hommes politiques qui se sont battus dans l'hémicycle contre cette loi. Au premier plan, il y avait Monsieur Jacques Bompard. Ouais. Plus fort, Monsieur Jacques Bompard. Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Monsieur Christian Kert. Monsieur Philippe Bosselin. Et tous ceux.
Ça peut être un Mozart, ça peut être un Beethoven, ça peut être un
Oh.
votant pour.